Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play de Marwa avec Caleb, la petite famille Vatore, toujours en lune de miel à Salvadorada. Et notre belle Marwa, elle s'est pris une fléchette dans le cou et ça va pas quoi. Ça va vraiment pas du tout. Et moi je suis inquiète et il nous faut de la poussière d'os. Je sais pas du tout comment on peut se la procurer pour pouvoir aller mieux. Donc, ça va être la mission du jour. Et là, j'ai demandé en fait à ce qu'elle discute encore un peu plus avec elle. Voilà, pour avoir des informations. Dis-nous, ma araignée et abeille, peuple de la jungle, et n'apprécie pas d'avoir la visite. Si vous faites preuve de cette logique, vous pouvez avancer prudemment dans la jungle en évitant ces pénibles bestioles. Compétence 2. D'accord. Il n'y a pas si longtemps, une pilote est arrivée dans la jungle. Elle avait aperçu des genres d'objets anciens dans la terre près de l'endroit où son avion est arrivé. Si vous avez de l'ambition en tant qu'archéologue, vous devriez chercher cet avion. What? Marwa, c'est familial. Ça, c'est ok. Vous devez m'apporter de la poussière d'or si vous voulez que j'ai un antidote. Oui, non, mais ça, on savait, meuf. Est-ce que tu peux lui parler d'autre chose? Parce que tant qu'à faire, avoir des informations sur. Sur la jungle, quoi. Pour augmenter notre culture salvadoradienne. Assez de logique, ils ont dit. T'es combien en logique, toi? Logique, elle est à 5. Calibou. Calibou. Logique 1. D'accord, il est pas très doué. Je vais plutôt faire aller Marwa faire des trucs. Bon, après, elle va déjà se prendre des fléchettes, quoi. C'est pas Jojo. Mais voilà. J'ai peur. Bon, alors je me suis renseignée, effectivement, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'elle meure. Hein, mais effectivement, si on trouve pas d'antidote et si on fait pas de poussière d'os et compagnie, elle va vraiment mourir, quoi, Marwa. Donc, oh la vache. Vache. Ah, présentation, ça va doradienne. Ah, tiens, on rigole. Vas-y, Calibou. Présente-toi de façon salvadoradienne. Attendez, je vais pas louper le truc. Ça marche. Ah, parce que, oh là, tu te mets aussi loin pour te présenter de la façon salvadoradienne. Bah, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ah, bah d'accord, ça marche pas. Bon, bah tu vas la faire à elle alors. Ta présentation salvadoradienne. Non, mais elle est. En... Non, mais il va y avoir encore du drama, quoi. J'en ai marre des gens qui draguent mes Sims là. Alors. Ah, c'est juste une petite bise. C'est une blague. C'est une blague. Salut local. Ah oui, on peut faire montrer des photos de Salvadorada. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment je veux de la poussière d'os, moi, s'il vous plaît, je veux sauver Marwa. Sinon, le let's play va finir et puis c'est tout, quoi. Tu vas discuter des attractions locales, enfin je sais pas, on va augmenter un peu notre culture parce que si ça peut aider. Ah, je crois que c'est ça aussi. Voilà, numéro supérieur. Faire preuve de respect. Voir, faire preuve de respect, voir ensemble. Ah, c'est pour ça qu'il y a des bougies. D'accord. D'accord. Non, mais on va. On se renseigne, hein. Moi je tâtonne, hein. Je fais des bêtises. Discuter du patrimoine local. Ah, bah, elle est partie. Bon, d'accord. Super. Est-ce que tu peux aussi voir ensemble? Oh, elle a fait un geste avec la main sur le cœur. Elle fait preuve de respect. Ah, oh, c'est super sympa. C'est super sympa. Et ça t'a fait un truc Non, mais toujours, tu te fais toujours emmerder par les moustiques. Mais pourquoi faire preuve de respect? Il n'y a que Marwa qui est là et pas Calibou. Ah, elle est peut-être la plus avancée en coutume, en fait. Je pense que c'est ça. Bon, bah écoutez, nous on va rentrer au logement. Je pense que ce serait pas mal avant d'attaquer une nouvelle journée. De toute façon, il va être 5 h du matin. Bon, de toute façon, ils dorment pas. Donc, mais je vais les envoyer. On va rentrer tout de suite. On va rentrer au bungalow. Eh, dis donc, vous pensez pas? J'ai une idée de génie là pendant que ça chargeait pour aller au bungalow. Ça va.
Parce que là, je suis en train de chercher et je me dis qu'effectivement, on n'a pas de PC, ce qui n'est pas étonnant. Mais il y a un musée. Il y a un musée. Il y a un musée. On va aller au musée. Hein? Vous pensez pas qu'il y aura un ordinateur là? Bon, je suis excitée, hein, mais ouais, quoi. Bon, alors, elle mange. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh! Ah, mais il y avait une piscine, je l'ai même pas vue. Ah oui, j'ai. Ouais. Ah, bah, c'est cool. Tiens, Calebout, viens ici, viens nager ici. Mets-toi tout nu. Voilà. Tu vas éclabousser ta femme. Essaye de faire un bébé. Oui, maintenant. Pas tout de suite. Enfin, si, mais pourquoi pas. Il faut bien qu'ils profitent de leur lune de miel, mais. Éclabousser. Mais ils peuvent pas faire un bébé dans l'eau. C'est bien dommage. Ah, des miens, ouais, non? Ils sont morts de rire. Essaye de faire un bébé. Essaye de faire un bébé tout court. Allez! Hein, on va contenter un peu les gens, ça pourrait pimenter. En plus, bah, Marwa va peut-être mourir avant, hein, moi je vous dis. Non, non, mais ils vont se requinquer un peu. Voilà, ils vont essayer de faire crac-crac et faire un petit bébé. Et c'est la lune de miel, quoi. Hein. On profite. Hein. On profite, on va regarder un peu le. Voilà, là c'est la maison. Voilà un peu où ils sont, quoi. Voilà un peu leur lune de miel. Franchement, hein. Oh, c'est magnifique. Hein. C'est strictement magnifique. Allez les enfants. Ça te va tellement bien, Marois, ces taches vertes. Allez. Choup choup choup. Mais qu'est-ce que tu fais, Marois? T'es censé faire un bébé avec ton homme. Et qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, t'as replongé. Ah, tu ressors là, d'accord. Ok, j'ai compris. Et nous, on descend. Lui, il attend. Allez, il attend. Voilà, comme ça fonctionne l'amour. Et voilà. Ils vont faire des petites choses bien sympathiques dans le lit. Ah ouais. En même temps, c'est des vampires. Ils ont pas forcément envie de dormir. C'est super sympa ça. On dirait un truc avec de l'encens et tout. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait ça, qu'on puisse pas l'allumer pour faire de l'encens. Ça pourrait être très sympa. Donc, on n'a toujours pas de PC. Ok, bah ils vont aussi se laver, prendre une petite douche et tout. Tu vas te prendre une douche après Marois. Lui aussi, bah il va prendre un bain parce qu'on n'a qu'une seule douche. Tu vas juste prendre un bain. Puis vous allez manger. Et puis ce sera pas mal. Hop, hop. Et ce sera pas mal, effectivement. Attention, Marwan n'a pas réussi à lutter contre l'empoisonnement qui a progressé en pyrée. Il vaudrait peut-être mieux agir rapidement. Ouais. Ça me fait tellement flipper. Oh, mais elle est dégueulasse, le rôle de la mort qu'elle m'a fait. C'est hallucinant. Empoisonné, fléchette empoisonnée. Le poisson circule dans les veines de Marwan. Il vaudrait mieux trouver rapidement un antidote. Un sim. Attendez, je n'ai pas eu le temps de finir. Un sim. Mais. Oh là là. Un sim local serait sûrement comment s'en procurer, mais peut-être s'acheter aussi en ligne. Ouais, on va y aller. Je les ai rhabillés en mode aventureur. Aventureur, ça se dit très très bien. Et Marois, tu vas. On va y aller. On va y aller Calebout, bien sûr. Elle drague trop de monde, Marois, ça va pas du tout. Et on va aller se déplacer, on va voir s'il y a des ordinateurs au musée. Ce serait pas mal. Et donc voilà, on est au musée. Dites-moi, dites-moi. Il n'y a pas d'ordinateur. Oh non, on va mourir, on va mourir. Non, mais la seule chose à faire, du coup, ce serait peut-être de. Tiens, tu vas acheter une pièce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans un musée, mais ailleurs qu'à Salvadorada. Enfin, pas un musée, mais une bibliothèque. Par contre, je vais les faire un peu contempler. Ouais, voilà, des trucs. Pour essayer de gagner un peu de temps. Ou pas, enfin je veux dire. Ok, il n'y a pas grand chose à contempler. Voir la collection. Voilà. Et ensuite, on va quand même aller dans une bibliothèque qui n'est pas la Salvadorada parce que. Sinon, on est mal barré, quoi. Marwa va crever et j'ai pas envie de ça. J'ai vraiment, clairement, clairement pas envie de ça. Donc, Marwa, tu vas. Voilà, on va avec Caleb, on va habiller comme des gros touristes, on va aller dans un musée ailleurs parce que ça c'est pas possible donc on. Non, disponible pour les vacances. Oh!
Elle va crever. Mais non. On va aller au bar, mais il n'y a pas d'ordinateur, quoi. Comment on peut trouver de la poussière d'os? Là, je suis en train de flipper. On va écourter les vacances, hein. C'est pas possible, hein. Si on trouve pas, on va écourter les vacances, hein. Alors, on est déjà de retour au bar. Ouais, il y a des trucs. Oh, des machettes! No way! No way! No fucking way! Mais. Oh, oh, oh. C'est quoi ça? Mais pourquoi on peut pas acheter? Ils sont où les gens? Ranger les objets. Ranger les objets. Je comprends pas. Ça veut dire que t'as tout pris pour toi? Non. Non, viens. Viens, viens, viens. Oh là là, mais je comprends rien, moi. Si, achète. Ah, achète, achète, achète. Achète. On achète tout. Et on va acheter ça ici aussi, là. On veut des machettes, là. On veut des machettes. Et puis c'est Marwa qui va les acheter. Parce que, on va dire ranger les objets. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui va courir, apparemment. Donc, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire Calebou. Et Calebou, il va essayer de discuter avec elle. Présentation amicale. Du produit secret, c'est de la merde, j'en veux pas. Présentation, ça va de Ok, je fais pause rapidement parce que je vais acheter ça, je vais acheter ça et je vais acheter ça. Ça en fera. On va en faire deux par personne et puis. Ah non, parce que là, les machettes, on en a besoin. Et moi, je veux surtout de la poussière d'os, là, Oh, j'en peux plus. J'en peux plus, hein. Je suis flippée, je vous le dis, je suis flippée. Ils font des bisous, mais vous avez bien raison parce que. Peut-être que c'est les derniers bisous que vous pourrez vous faire. Marwa. Je ne veux pas que Marwa nous quitte. Puis voilà, discuter des patrimoines locaux. C'est pas mal. Ok. Ok. Bah, je vais voir s'il y a des trucs aux alentours pour creuser et compagnie, quoi. Oh my god! EBT plus 6. Oh là là! 3 jours, donc en fait, on a quand même une chance de rentrer à la maison avant qu'elle décède complètement, quoi. Oh, mais c'est horrible. Je me sens tellement pas bien. Je me sens tellement pas bien. Marwa, elle est en train de crever. Elle est en train de crever. Et moi, je trouve pas la poussière d'os. Au secours. Et puis, alors, moi, je cherche des trucs à creuser, mais tiens, il y a des animaux qui se baladent ici. Ouais. Bah c'est bien, c'est cool que c'est un peu plus vivant avec des animaux, tout ça. Là, il y a un truc. Là, il y a un truc. Je vais envoyer Calebou. Bon, ça va, c'est un peu reprise, Marwa, parce que là, on est bêté. Oh, mais de la poussière d'os, quoi. Ça s'achète. Ouh! Un foutu ordinateur! Moi, je vous le dis, hein, prochaine fois, j'aménage tout de suite un ordinateur quelque part dans la maison, parce que c'est dangereux, quoi. Oh là là. Ça, vous pouvez aussi admirer les petits chemins et compagnie, mais alors moi je suis complètement paumée, je vous dis, j'arrête pas de repasser sur mon même endroit. Mais en tout cas, c'est super mignon quoi. Ah non, je suis déjà passée ici. Je fais n'importe quoi. Là, il y a un petit chemin. Je suis le chemin. Non, c'est pour aller là. Mais d'accord. C'est pas ça. Je voulais pas aller là. Je voulais pas aller là. Bon. On va peut-être. Il n'y a plus d'endroit pour creuser, hein, je sais pas. Engin a trouvé une motte de terre en forme d'objet océan. Ok. Elle est redevenue hébétée. Oh, ça m'embête vraiment. Qu'est-ce que t'as dans ton inventaire, ma jolie? J'ai ma souris qui veut pas. T'as ça. Ok. Mais moi, je veux pas. Moi, je veux de la poussière d'os. Ça se trouve pas facilement comme ça. Tiens, tu vas extraire un fossile. Et puis, ben, on va aller. On va quand même aller directement dans la jungle. On s'en fiche. On va braver. On va braver l'interdit. On va braver la mort. Ma pauvre Marwa, quoi. Ma pauvre, pauvre, pauvre Marwa. Toi, t'as fini. Allez. Ben, on va aller à la jungle. On est de retour au bungalow. Je vais mettre pause tout de suite. Marwa, elle se sent toujours pas trop bien. Caleb, tu vas creuser ici. Et on va aller directement à la jungle. Dans la jungle. Pas à la jungle, je ne sais plus parler français. Tout va bien.
Moi, je suis le petit chemin, vous voyez, parce que sinon je me perds. Ah, ça y est, on est à l'entrée. Et il y avait un truc ici à creuser qu'on n'a plus. Je sais pas, je me dis que la poussière d'os, elle est peut-être trouvable dans les trucs qu'on creuse, quoi. Moi, je sais pas, hein. Franchement, c'est flippant, mais faudra absolument qu'on retourne à la maison. Ou que j'utilise le truc de construction, là, je sais pas quoi, l'outil construction pour qu'on s'améliore, pour qu'on mette un ordinateur. Parce que là, je flippe. Là, je flippe énormément. Dépêchez-vous de venir, les enfants, et puis on va rentrer dans la jungle. Alors, mes amoureux sont de retour. Mario est toujours hébété. Alors, j'arrivais pas à venir, vous savez pas. Et en fait, il faut franchir ici, franchir avec Caillebout. Et on y va, c'est parti. Et hop, on est téléporté de l'autre côté, là où on était l'autre jour. Et effectivement, ici, on n'est pas rentré. Donc, on va aller ici parce que à la machette. C'est plus chouette. Je fais n'importe quoi. Peut-être qu'il y a encore un truc à creuser dans le coin pendant qu'elle creuse la machette. Je vais mettre sur pause en attendant. Faudrait pas que je perde du temps. Non. Mais alors, du coup, il y a toujours cette chute d'eau, tout ça ici. On peut toujours franchir, d'accord, ok. Pour arriver à se faire téléporter de l'autre côté. Mais ici, il n'y a pas à creuser. Très bien, très bien, très bien. Donc ben, on va attendre que Marwa ait fini d'ouvrir le truc à la machette. Et puis après, ce sera Caillebout qui prendra le relais. Allez, ma belle, on te regarde. On te regarde. Oh, un petit... Oh, elle lui frotte à la gueule. C'était magnifique. Mais vas-y, avec ta machette, meuf. Ah non. Oui, non, j'ai cliqué sur... Oh bah, c'est Caillebout, allez, vas-y. Allez, voilà, ça y est. Il manquait pas grand-chose. Hein. Ah, mais j'espère qu'il va pas se faire empoisonner aussi, parce que là, franchement, c'est n'importe quoi, sinon. On se stresse pas. Allez, allez. Ce ferait les chemins, la machette. Un jaguar dans la jungle, ça me fait peur. Caleb entend un rugissement, se retourne lentement et voit un jaguar passer dans la jungle avec quelque chose de brillant dans la gueule. Le félin n'a pas encore vu Caleb. Doit-il arrêter de bouger et attendre qu'il parte pour tenter de lui faire peur? Alors, arrêter de bouger, arrêter de bondir pour le faire peur au jaguar. Une compétence fitness élevée permet de... Ah, je sais pas s'il est bien en fitness. Faire partir avec l'extincteur le Luciole. Faire bondir. Bah, allez, je fais n'importe quoi. Confrontation avec un félin. Caleb tente de bondir et d'attraper une branche loin au-dessus de sa tête, mais loupe complètement. Oh merde! Il tombe lourdement dans un puits épineux. La jaguar est effrayée par le bruit et s'enfuit, mais Caleb est couvert d'égratignures. Ça va. Il n'est pas mouru. Parce que moi, je veux pas, quoi. Viens, ma belle. Ok, mais qu'est-ce que vous faites? Je mets sur pause avant qu'il fasse nawak. Ah là, il y a un truc à creuser ici. Oh, l'avion! C'était l'avion de... Ouais. Ah! Oui, il y a des trucs à creuser. T'es parti faire quoi, mec? Là. Lui, là, il doit pas se sentir bien. Mais je fais n'importe quoi. Égratigné par les épines, a atteint le point culminant. Ouais. On va rejoindre Marois. Le fameux avion, en fait, qu'il y a un habitant qui en a parlé. Ah, c'est trop cool. Oh, il y a un coffre. Oh là 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 là. Allez, venez les enfants, venez... Ouvrir toutes les choses qu'il faut ouvrir. Ah, il y a un autre truc là. D'accord. C'est super. C'est super. Moi, je suis ravie. Pendant qu'il creuse, ok, je suis en train de regarder en fait s'il y a pas, il y en a un autre là. Et il y a le coffre. Alors, le coffre, je vais faire ouvrir par celui qui aura la plus grande compétence archéologie. C'est 3 pour Marwa et 2 pour Caleb. Donc, c'est Marwa qui va ouvrir le coffre. Et Caleb va s'occuper de creuser ici. Mais waouh, l'avion quoi. Non mais franchement, enfin le pack, il est méga beau. Il est méga beau, vous voyez, et c'est sympa à faire partir vos Sims en lune de miel comme moi je fais, ou même en vacances tout court. J'essaierai vraiment d'utiliser le truc de Salvadorada un peu plus en vie, quoi. Peut-être faire emménager quelqu'un. Que ce soit pas simplement un logement de vacances.
mais c'est strictement magnifique. Enfin, vraiment, c'est superbe. Compétence 4, lui il a trouvé un couteau, une base de reliques de la mort. Très bien, ma belle. Attendez, je ne veux pas louper l'ouverture de coffre. Oh, ma roi, quoi. Ma roi, elle est en train de crever. Ça me fait tellement mal au cœur. Vas-y, ma belle, je prends une petite photo avant, malgré tes tatouages verts. Vas-y. T'as trouvé quoi? Ma roi, trouve une merveilleuse trésor. Elle a obtenu une simflouze et passé matériel d'aventure. Vous voyez, quand elle est empoisonnée, elle fait des rots de la mort, quoi. Tu veux quoi, Caleb? Non, c'est Gaston, mais on s'en fout, Gaston. Qu'est-ce qui se passe? Donc, t'as gagné, on a gagné des sous avec le coffre. Relique. C'est quoi? Relique de Palampalso. Ok. Très bien, très bien. Et base relique de la mort fusionnée avec. Non découverte. Mais si. Mais si. Je l'ai là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah putain, elle est repartie pour chanter. Ça. Oh. Mais si, je l'ai ça. J'ai peur, hein, parce qu'elle est déjà empoisonnée et tout. Moi, je veux de la poussière d'os, quoi, les gars. Je vais être chiante, mais ça va être comme ça, quoi. Arrête! C'est trop chou, ils sont trop mignons. N'oublie pas de nous faire part de ta découverte, Caleb. Alors, 3 jours. Récolter des fruits. Ah oui, c'est ça, d'accord. Une motte de terre, enfin. Bon, ça, on verra plus tard. C'est parfait. Maroua, ça va pas hyper fort. La suite, elle est ouf de du truc. Je veux bien que. Ils font des mamours, tout va bien. Elle va faire une photo. Bah oui, hein, vous savez, j'aime bien les photos. J'espère que le rendu sera pas mal. Ouais, alors bien sûr, on est toujours trop près, hein, c'est chiant. Mais on a trouvé l'avion. Tu vas reculer juste ici. Voilà. Et tu vas refaire une photo. On s'en fiche des mouches, ma belle. Tchouk tchouk tchouk. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Oh, avec. Oh, c'est beau. C'est beaucoup trop joli. Là, on va faire 2 photos comme ça de l'avion. On va refaire une comme ça avec les hélices. Comme ça, mais on n'a pas le haut du truc. Et une petite dernière. Oh! Ouais! Comme ça. Tac. Allez. Voilà. On aura amélioré un peu notre compétence. Donc, du coup, le passage. Ah non, c'est pas là. Où est le prochain passage? C'est ici? Non, c'est encombré. Oh là là, oh, c'est beau, punaise. Mais ils peuvent venir, ils peuvent pas venir là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors du coup, on a trouvé l'avion, mais on doit retourner en arrière. Là, je suis un peu paumée, je sais pas trop où il faut aller. Je trouve pas. Il n'y a pas d'endroit. Il n'y a pas d'endroit. Bon ben, on va retourner en arrière et puis on va trouver une autre sortie, quelque chose. Bon, on est retourné en arrière. Ouais, je sais pas. Ah si! Ah si si, il faut qu'on aille là. Donc on va franchir ça encore ensemble. Hop! On peut toujours admirer le paysage. Donc en fait, on était là, il me semble. Hein. Ah, 5 jours. Voilà, on est reparti, on est retourné. Donc là, on avait. Voilà, c'est ça. D'accord, je comprends. Et là, on a plusieurs entrées. Ah, mais c'est génial. C'est génialement fait. Bon, bah, je vais les faire creuser un petit peu. Alors, du coup, j'ai compté pas moins de 4 entrées. Il y en a une ici, une ici. L'autre, elle est
Bah, ici. Et encore une ici. Et donc je vais envoyer Caillebout. On va faire celle-là, on va faire dans l'ordre. On n'aura peut-être pas le temps de finir toutes les découvertes, mais. Et puis si j'appuie pas sur play, on aura du mal. Pendant que Marwa, elle va aller creuser deux trucs qu'il y avait sur place. J'espère juste que Caillebout, il va pas se faire empoisonner non plus, quoi. C'est vraiment très 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 dommage. Marwa a trouvé un calamburium. C'est la pierre du calembour. Ah, elle me fait mal au cœur comme ça. Vraiment. Machette, tu vas en donner une à Caleb. Comme ça, chacun a sa machette. A deux machettes même. Ça y est. Il a trouvé l'entrée. Attention, j'ai peur. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Ça, franchement, pour l'instant, je trouve que bon. C'est bien et c'est pas bien. Sac abandonné. Caleb tombe sur ce qui semble être un campement abandonné. De toute évidence, un autre aventurier est passé par ici car il y a des restes de feu ainsi qu'un vieux sac abîmé. Il pourrait y avoir quelque chose de précieux à l'intérieur. Ou quelque chose de dangereux. Caleb doit-il aller voir, ne pas y toucher, chercher du matériel utile, une compétence logique élevée parmi les meilleurs résultats. Chercher à l'aide de la machette. Utilise la machette. On va utiliser la machette. Qu'y a-t-il dans le sac? Caleb décide de mettre de la distance entre lui et le sac et donne un coup de machette dedans pour l'ouvrir. Un scorpion venimeux sort du sac et s'enfuit dans la jungle. Caleb fouille les débris du sac et trouve du matériel utile. Yes! Aller au bain royaux omnisquin. Le prochain arrêt sur le chemin semble être une piscine naturelle. Oh, il pourrait même s'agir de des bains royaux omnisquins. Souhaitez-vous y aller maintenant? Oh oui! Oh oui! Oh my god! Oh my god! On a trouvé un truc. Oui, alors, oui, c'est cela, oui. Réussite découverte du jeu, bien sûr. Pause. Et voilà les bains royaux, joyaux. Oh, punaise. Les bains omnisquins. Je sais pas comment, je sais tu as pu comment. Les bains joyaux, royaux. Et ben voilà. Ah, il y a des trucs à creuser! Tu vas creuser, Caleb. Oh punaise, mais en fait c'est un truc de malade, il y a des portes partout. Oh mais vous voyez, 4 jours, j'ai pas le temps de tout voir quoi. On n'a clairement pas le temps de tout voir. Tu vas récolter aussi les produits ici. Surtout que là, le temps est compté parce que nous on a une Marwa à moitié claquée quoi. Mais en tout cas, les bains sont vraiment super jolis. Bon, elle a pas eu le temps de finir de creuser son truc là. Il n'y a qu'un seul truc à creuser dans le coin peut-être? Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est très joli. J'aimerais bien la faire se reposer un peu. Est-ce qu'on a notre super buisson? Buisson de la mort. Tiens, tu vas faire peut-être une photo. J'en profite. Faut bien que ça t'adonne cette possibilité de faire des photos serve à quelque chose. C'est magnifique la couleur. Ah bon, moi je suis fan du violet déjà, donc c'est forcément. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Ça c'est un peu trop près, c'est dommage. Et franchement. Bon, bah, on va refaire une photo comme ça par exemple. Ça on voit un peu plus l'arbre et tout ça. Voilà, c'est très bien pour la photo. Mais du coup, Marwa, ben viens. Je sais pas. J'aimerais vraiment la faire se reposer parce que là, elle me fait un peu peur. Y a rien à faire. La fontaine, on peut rien faire. Par la piscine naturelle, tu peux aller te baigner du coup. C'est ce qu'elle va faire. Elle va faire des longueurs. Dans cette micro-piscine, parce que. Puis elle a changé de coiffure entre-temps. Hein. Elle fait des longueurs dans un truc aussi petit. Mais viens ici, peut-être. Viens te baigner sans aucun vêtement. Elle est très enjôleuse. Ah! Oh mais non, punaise, c'est pas possible. Chute inspirante, elle est re-empoisonnée. J'ai l'impression que ils vont dans l'eau et... Niveau 3, archéologie. Vas-y, déshabille-toi, ma belle. Puis on rigole. Hop là, elle est toute nue dans l'eau. Et elle a changé sa coupe de cheveux, mais c'est. Elle me fait rire.
Donc du coup, attendez, source vive est près des bains royaux Misquin. Mais en fait, c'est celui-là, le bain royal? Vas-y, va dans celui-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah bah aller voir Caleb quoi. Elle fait un jogging, qu'est-ce qu'elle me fait? Hop! J'ai l'impression que celui-là, il est enjôleur, non? C'est moi qui... Punaise, allez, en tout cas, elle est vraiment dans tous ses états, c'est juste pas possible. Oh non. Non, 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 ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Calebout, tu as fini. Il est 20h. Est-ce qu'on tente d'ouvrir quelque part encore une porte qui est ici? Je vais faire avec Calebout. Ah non, elle peut pas aller bêter. Calebout, toi t'es un geôleur. Ah bah non, pourquoi? Ce chemin ne va pas être ouvert pendant ce voyage. Peut-il vous ouvrir de prochaines vacances? Ah, d'accord. Bon bah écoutez, on va rentrer, hein. On va rentrer. On va rentrer. Ils sont venus d'où? C'est ici. Ah oui, c'est ici. Allez, on va rentrer. On va revenir en arrière. Rapidement. Téléportation. Oh, c'est beaucoup plus rapide que quand on est arrivé. Je me surpose rapidement. Marwa, où est-elle? Bon, elle est là. Elle est toujours toute nue. Tu vas quand même t'habiller. Tu vas remettre ta tenue d'aventurière. Et on n'avait pas fini de creuser. Je sais même plus où c'était. Tellement il y en a. Tellement il y a de choses à faire. Ah si, c'était pas ici. Il y a plus en tout cas. Je sais pas. Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je suis complètement paumée. Là vraiment. Vraiment c'est la merde. C'est la merde. Et j'ai toujours pas de poussière d'os. J'ai toujours pas de poussière d'os. Ah c'était pas loin de là. Bah ça l'a annulé. Ah si, il est là. Bon bah ma belle. Voilà. Va vite creuser. Trouver des trucs sympas. Elle est confiante donc ça va mieux. Ils sont encore en bon état, hein. Ils pourraient s'aventurer dans la jungle de pleine nuit, mais bon. What? 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 Alors attendez. J'ai fait attaquer. Ah non, mais c'est pas possible. Attaquée par des lucioles électrisantes. No! Alors elle a trouvé une relique de Totekayama. Il y a l'électricité dans l'air, cela devient un groupe de lucioles électrisantes. Oh mon dieu, lorsqu'elles avancent vers Marwa, cette dernière regrette de ne pas avoir de poudre isolante et ne pas avoir demandé aux Sims locaux comment gérer ces insectes. C'est donc une expérience choquante qui l'attend. Mais c'est pas vrai. Mais non! Non! Mais... Oh mon dieu. Mais elle va crever! Et BT plus 1, et BT plus 6, et BT plus 40! Oh mon dieu! Mon dieu, mais non! Je suis choquée! Ah non, mais là, on va rentrer direct, hein, parce que c'est pas possible. Caleb, viens faire un câlin à ta femme, là. Un baiser passionné. Et je sais pas. Oh là c'est... Non mais Marwa, elle s'en prend plein la tronche. Et pas comme il faudrait quoi. Allez, on va rentrer. Ah bah oui ma belle, on va rentrer au bungalow parce que là c'est pas possible. On va se la faire reposer parce que c'est une grosse catastrophe. Et on est de retour pour le bungalow. Marwa, ça va vraiment, 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 vraiment pas. Qu'est-ce qu'elle pourrait... Elle peut pas dormir en fait. Elle peut que dormir après avoir fait crac-crac. Non mais arrête avec ton verre d'eau, ça va pas aider. Oh là 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 là. Bon ben ils vont faire crac-crac. Hein. Lui est parti se baigner tranquille. C'est du grand n'importe quoi. Bon ben allez. On va refaire, essayer de faire un bébé. Parce que comme ça au moins. Là si elle va mourir quoi. Enfin il faut qu'elle dorme mais... Allez les enfants, la lune de miel, elle va vraiment en vrille, c'est une catastrophe quoi. Une vraie catastrophe. En tout cas, a priori, elle n'est pas tombée enceinte, encore une fois quoi. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle plonge toujours dans l'eau pour aller ici? C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi.
Hop, hop, hop. Allez. Et comme ça, elle va pouvoir se reposer parce que là, c'est plus possible. Il me faut de la poussière d'os. Oh là là. C'est une cata. C'est une catastrophe, quoi. Marwa, victime de sa lune de miel, elle avait vraiment une cata, quoi. Bon, moi, je vais vous laisser ici, sur ce petit crac-crac. Ben, ils en profitent, quoi. Parce que si Marwa, on trouve rien, ben, elle va mourir. Et ben, je vous laisse ici, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un message, prier pour cette pauvre Marwa. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Allez, salut.